l'histoire de Milpa, l'ours en peluche? Bah, il s'est fait rejeter. Oui, il est trop mignon ce petit ours. Le dessus des pattes en velours rose, des petits boutons à la place des yeux et trois petits bouts de laine à la place de son nez. Trop mignon. Oh, eh bien, en se réveillant, il s'était senti tout triste et dégoûté. Je ne comprends pas. La petite fille chez qui il était, il lui fallait une trentaine de jouets pour s'occuper. Et quand elle en avait assez, il n'était pas rare qu'il soit secoué et jeté d'un bout à l'autre de la pièce. Oh, c'est plus possible, c'en est assez. Vraiment, je ne pensais jamais en arriver là aujourd'hui. C'est vrai. Dans un hangar où personne ne voudrait dormir. Moi aussi, je n'en crois pas mes yeux. Plus personne ne prend le temps de nous écouter, ni de nous regarder. Écoutez! Oui, j'entends un bruit. Mais non, je crois que nous sommes bien fatigués et que nous devrions faire un petit somme. Bonsoir, je m'appelle Précieux. Je n'ai nulle part où me réchauffer. J'ai vu une petite lumière et je me suis permis d'entrer. Entre, approche! Pour une fois qu'un enfant nous visite... Oui, nous n'allons pas refuser. Viens, assis-toi près de nous. N'aie pas peur. Je m'appelle Pépé. Moi, c'est... J'ai 17. Et moi, Titou, le plus jeune, le plus intelligent, le plus... Ça va, on a compris. Oh, laissez-la parler. On a compris. J'ai entendu une partie de votre conversation et cela me rappelle l'histoire de mon père Céleste qui lui aussi n'a pas été accepté. Les gens l'ont rejeté, pourtant il a toujours montré de l'amour pour eux. Je ne comprends pas. Comme c'est triste. Oui, déjà, quand il est né, il est arrivé sur Terre dans une ambiance particulière. Rien à voir avec des villages en fait. Car les parents de Jésus, Marie et Joseph, vivaient en Israël. Le pays était occupé par les soldats romains sous le règne de l'empereur César Auguste où il faisait régner la terreur. La vie devait être dure pour eux. Ce n'était pas simple. Mais comme les parents de Jésus étaient obéissants, ils ont dû faire ce recensement comme tout le monde. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais qu'est-ce qu'il est devenu ton père de l'Est? Non, père céleste, c'est comme ça que j'appelle mon Dieu. Jésus grandissait dans la sagesse, guérissait des malades et plein d'autres choses. Mais les gens du peuple à cette époque l'ont crucifié. Non, mais c'est horrible! Oui, c'est vrai, mais Jésus l'a fait par amour, pour nous sauver. Heureusement, il nous a laissé son esprit, et c'est comme ça que je peux me connecter à lui, quand je veux. Ah oui? Pas besoin de téléphone? Non! Ni de tablette? Juste un cœur pour le laisser entrer dans ta vie et te confier en lui. Mais comment faut-il faire? Tu lui demandes simplement avec tes mots qu'il se manifeste en toi. Je n'ai pas l'habitude de prier, mais comment refuser un si grand amour? Nous pouvons lui demander tout de suite si vous le voulez. Oui, si c'est pas compliqué. Je voudrais lui dire merci d'avoir donné sa vie pour moi, pour tous les enfants, tous les parents, les papis, les mamies. Vous savez, je suis très heureux d'être avec vous ce soir. Je n'ai plus de famille, donc plus de maison. Un peu de votre présence et de votre chaleur me comble de joie. Mais tu nous dis que tu avais un père céleste? C'est vrai. Alors, ça veut dire qu'il est mort, ton papa? Excusez-moi, ce n'est pas simple à comprendre. En fait, mon papa céleste, c'est Jésus. Ah, ok, Jésus. Ouais, mais c'est qui? Eh bien, c'est le Fils de Dieu, comme c'est écrit dans Luc, chapitre 2, verset 11 dans la Bible. Ah oui? Et il dit quoi, Luc? Il est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Waouh! Et pourquoi Dieu choisit Marie? Car elle était obéissante à Dieu. Mais si vous voulez en savoir plus, je vous prêterai mon livre précieux. Oh! Tu as un livre précieux? Eh, tu nous le prêtes à nous? Que tu ne connais pas? Oui, pour vous, mes amis. Vous découvrirez que Dieu est à faire plein d'amour pour chacun. Bah oui, hein? Et sa naissance est vraiment unique au monde.
Il est le seul enfant conçu par le Saint-Esprit pour nous délivrer et nous offrir la vie éternelle. Je suis touché par ta gentillesse, mais revenons à toi. Pourquoi tu te retrouves seul dans la rue? Marchant dans le froid? Voilà, ma famille et moi fuyons notre pays où les chrétiens sont persécutés. Nous avons dû faire un long voyage en bateau, mais une forte tempête s'est levée. Les personnes présentes dans le canot de sauvetage se sont noyées prises de panique. Il faut dire que nous étions nombreux sur un petit bateau de fortune. Oh, mais tu pleures! Oui, car je pense à mes parents qui n'ont pu résister. Ils me manquent beaucoup. Mais ils m'ont laissé un bel héritage qui est celui d'aimer notre Dieu. Il est toujours là pour nous diriger. C'est le Père des orphelins. Vous le lirez dans ce livre précieux. C'est vraiment top. Malgré cette grande épreuve, de voir ton joli visage radieux, ça me touche beaucoup. Merci de votre gentillesse. Jésus me comble de son amour chaque jour et me permet de vivre ici dans un pays libre et en paix. Dans ton pays, ce n'est pas le cas? Non, le simple fait de croire en Jésus fait que nous sommes menacés à tout moment. Je vois, les droits de l'homme ne sont pas respectés encore une fois. C'est ça. Eh bien, je dis merci à Dieu pour t'avoir rencontré. Oh, maintenant, nous avons un nouvel ami. Oui, gloire à Dieu pour mes nouveaux amis et un nouvel ami qui est un père, un sauveur. Et si on préparait un petit chant pendant que je vous chauffe quelque chose? Je ne sais pas si tu vas trouver de quoi nous réchauffer. Pas d'inquiétude. Qui cherche trouve. Ah ah! Regardez! Trop bien! N'oublie pas de nous laisser ton trésor. Mes amis, vous voilà riches maintenant avec ce livre précieux. Oh, oui, avec ce froid, j'en ai oublié que nous étions dans un hangar. Ah oui, c'est vrai. Marie et Joseph avaient oublié que Jésus était né dans une étable, tellement ils étaient heureux. Car c'était le plus beau bébé. Surtout, Marie savait que son bébé allait sauver son peuple du péché. Un ange lui avait dit. Merci, rien n'est plus beau que d'apprendre à s'aimer. Se soutenir et d'offrir ce que nous avons de meilleur. Attendez, j'ai un petit chant pour vous. Sans toi, Seigneur, je n'imagine pas. Oh là là, Pépé, c'est bon. Hey, Pépé, c'est bon. Sans toi, Seigneur, je n'imagine pas ma vie ici-bas sur la terre. Sans toi, ma vie, Seigneur, n'a plus aucun sens. Aucun sens. Ce que tu m'as donné, rien au monde ne peut le remplacer. Car tu m'aimes, car tu m'aimes.